Bonjour à tout le monde. Je suis Mario Pired, réalisateur du long métrage L'Agnello, l'Agneau de l'Embe. Et c'est mon premier long métrage et c'est un film très important pour moi car il parle de mon île, la Sardaigne, où je suis né. Et on parle d'une famille qui vit à proximité d'une hypothétique base militaire en Sardaigne. Le territoire sarde où je suis né abrite en fait 60% de toutes les forces armées militaires italiennes et est la région la plus militarisée d'Europe. Et il y a beaucoup de zones destinées à l'expérimentation des nouvelles armes et à la simulation des guerres. Aux alentours de ces territoires, l'incidence des tumeurs atteint des pics très élevés, attribuables à la forte présence des poussières radioactives. Et je suis parti de l'une des nombreuses histoires de personnes qui résident dans ce territoire où la coexistence forcée entre civils et militaires et la vie quotidienne ordinaire. Mais le film est avant tout une histoire d'amour, d'amitié, de complicité entre un père et une fille que j'ai essayé de raconter le plus possible avec légèreté, tendresse et souvent avec une ironie respectueuse. J'ai construit les castings du film avec des acteurs professionnels et non professionnels. Les pères et les grands-pères sont des acteurs professionnels que j'avais appréciés dans d'autres films. Par contre, l'acteur qui jouait l'oncle est un chanteur des rap, hip-hop, reggae et il vit à Paris. Et après des ans de recherche, j'ai trouvé Nora Stacy, l'actrice principale du film. Je l'ai trouvée dans un bar. Et un lien particulier est né entre nous et qui m'a permis de bien travailler pendant le tournage du film. Et je suis très heureux de ces projections, mais en même temps, je suis désolé de ne pas pouvoir présenter physiquement mon travail devant le public. Et merci au Festival de Rome à Paris. Et je m'excuse pour mon terrible français. Et au revoir. À bientôt.